Salut, salut, bonjour. J'espère que vous allez bien. Attendez, je m'assois au sol, pardon. Je ne vais pas mourir ici là, alors que... Aïe, maman. Ouais, voilà. Je suis là. Je vous assure que je ne vous vois même pas bien. Donc, il faut d'abord que je remette les lunettes. Parce que le soleil là, ça m'a chauffé les yeux jusqu'à... que je remette d'abord ça. Sinon, je vais pas lire vos messages parce que notre soleil aujourd'hui là, notre soleil est au moins de 13 000 degrés. Le soleil aujourd'hui est de 13 000 degrés. J'ai dit, et voilà aussi une salle de classe qui est ici là. La salle de classe là en question. Je suis venu là. Ils sont en train de parler là. Quand je vais commencer à parler fort là, je sors de l'école, maman. Je sors de l'école. Il y a un monsieur là qui a tourné avec la voiture. Maintenant, il est en train de retourner encore. C'est sûr que non, il veut me parler. Attendez, je vais tourner la caméra. Il est en train de tourner avec la voiture. Là, il a vu la fille, il a vu la femme. Il se pose la question que... Attendez, le voilà qui vient avec la voiture. Est-ce que moi, je vous manque? Le voilà. Il est en train de traîner là, il est en train de rouler doucement. Il sait que non, il a vu l'anga. Il ne sait pas comment commencer. Il a d'abord baissé les vitres. Il passait d'abord, il a d'abord baissé les vitres. Maintenant, après avoir baissé les vitres là, en passant, je ne l'ai pas calculé non. J'ai fait comme si j'ai accéléré la conversation avec vous ici. Vous voyez non? J'ai accéléré la conversation avec vous. Après, j'ai dit seulement que bon, ok. Ok, qu'on discute alors, qu'on parle alors. Donc, je ne vais pas gérer, en fait. Je ne vous vois pas bien. Vous me voyez bien. Maman, Napula Nyamsele. Quand je vous dis que Napula Nyamsele, c'est que, vous savez que non, quand c'est l'hiver, il faut seulement mettre tout. Tous les chiffons qui sont là-bas à la maison, là-bas, tous les chiffons, je ne cherche pas à connaître. C'est en été qu'on essaye un peu de combiner les vêtements. En été, on essaye un peu de mélanger. Vous voyez un peu, non? Voilà. On essaye un peu de faire comme ça. Mais maman, en hiver, tu vas choisir l'habit, tu vas amener ça où? Tu choisis l'habit, tu amènes où? Tu mets tous les poulains nyamselés sur ton corps. Tous les poulains nyamselés, comme vous me voyez là. Hein? J'ai porté tous les poulains nyamselés, j'ai seulement ajouté les t-shirts dedans là-bas. Parce que le froid c'est le froid. On ne joue pas avec le froid. Le froid, ça froida. On ne joue pas du tout avec ça. Bon, je vous ai toujours dit que non, il faut toujours un peu... Salut Jenaba, comment tu vas ma mère? Je vous ai toujours dit que... Donc vous ne me croyez pas. Voilà, laissez-moi continuer, sinon je vais oublier ce que je venais faire ici. Oh, Bangalore. Bangala. Donc, salut Damien, comment tu vas toi? Merci. Donc je disais, avant de commencer toujours quelque chose, il faut toujours commencer avec une bonne introduction. Vous voyez, non? Un peu d'humour pour essayer de tamiser un peu les humeurs. Tu vois un peu, non? Moi, c'est mon système. Je tamise d'abord les humeurs. Quand je tamise les humeurs, je dis bon, ok, maintenant c'est bon. On peut alors commencer maintenant les bonnes choses. C'est pas comme ça les combis. Les choses se règlent en douce. Rien qu'avec l'indouce. Vous comprenez, non? Oui. Rien qu'avec l'indouce. Si tu n'es pas en douce dans la vie, je veux dire que tu n'as jamais marché. Tu n'as jamais marché, tu ne connais rien. Tu es allé quelque part, mais tu ne sais pas pourquoi tu es allé là-bas. Donc l'indouce ne marche qu'avec l'indouce. Quand tu es en douce, plus rien, je dis bien, plus rien ne peut te surprendre dans ce monde. Plus rien. Donc tout ce que non que tu peux voir sous tes yeux, c'est comme si tu voyais quelque chose comme ça quoi. Voilà encore le monsieur qui revient. What? Me? Non, non. I'm sorry. Vous avez vu non? Maintenant, il est revenu. Il est en train de me dire que, est-ce que tu es en train d'attendre Uber? Alors qu'il est sorti de l'école, je l'ai vu comment il est sorti depuis.
J'ai vu comment il est monté dans sa voiture. Il est d'abord passé là, il est venu vers moi et tout. Il est entré là-bas à l'école là-bas. Il dit maintenant que non, Uber. Alors que moi, j'ai l'habitude de lui voir ici là, dans cette école là que je vous parle là. Hmm? Mon frère, un vieux comme ça là, je vais amener où? Hein? Moi, je ne veux pas les vieux. Je ne veux pas les vieux. Mais voilà qui est en train de passer encore. Il cherche quoi? Il cherche quel genre de personne qui n'a pas encore trouvé depuis là? Hein? Il cherche quel genre de personne qui n'a pas encore trouvé depuis là? Dites-moi alors. Le voilà encore qui est encore garé là-bas. En tout cas, venons parler de nos choses ici là. Non, c'est lui qui gère son problème là-bas. Moi, je ne sais pas. S'il peut me donner quelque chose, qui me donne. Mais je ne suis pas une prostituée, moi. Hein? Je ne suis pas une prostituée. Je suis prostituée et pute dans une autre catégorie, dans une autre façon. Mais les gens apparemment ont transformé ces mots-là, ces paroles-là. Ils disent que, mais regarde, celle-là, elle dit qu'elle est pute. Donc, ils disent que non, c'est sûr que non, elle part toujours à gauche, à droite. No sense. Vous comprenez, non? Voilà. Maintenant, je vais enlever les lunettes. Rebonsoir à tout le monde. Ou rebonjour, parce que pour moi, c'est encore le matin. Vous voyez, non? Quand je vous dis que non, quand je vous dis que vous me faites travailler sans salaire, comme là, j'attrape le téléphone avec ma main, je vais au moins mettre là peut-être une heure de temps, au moins. Hein? Ma main va se fatiguer. Mais entre-temps, c'est sûr que vous êtes en train de grignoter en ce moment. Vous êtes en train de grignoter en ce moment. Vous êtes assise. Peut-être même vous êtes même sur les lits en train de me regarder. Avec le temps qu'il fait là, et la fraîcheur et tout, je me demande où bien là où est-ce que non, les gens vont aller. Hormis peut-être sur le cadre du travail. Hein? Salut Doliane! Merci. Merci. Rien qu'avec des putes. Pas n'importe quelle pute, hein, mais les putes de classe. Bref, c'est toujours pour mettre, pour balancer la bonne humeur. Donc, je vous disais, vous savez, quand j'ai commencé quelque chose, je n'aime pas arrêter. J'aime toujours commencer. Et quand mon visage commence à passer, ça veut dire que ceux qui auront la malchance de prendre ces grenades et ces bombes, nous sommes d'accord. Voilà. Mais je ne souhaite pas de grenades ou de lancer des bombes à quiconque. Je veux juste des éclaircissements dans beaucoup de choses. La transparence. Je suis à côté de l'école. Attendez d'abord, je guette s'il y a beaucoup d'élèves là-bas. Hey, maman, il y a les élèves là-bas. Il y a les élèves là-bas. J'ai oublié l'école là, oui. C'est en face de ma classe. J'ai oublié que non, ils ont ouvert la fenêtre, donc ils m'écoutent, donc il faut seulement que je parle doucement. Mon frère, moi, je n'aime pas parler doucement. Je n'aime pas parler doucement. Moi, je vais commencer à parler fort. Quand je commence à parler fort, comme ça, là, quand ils vont sortir, ils vont me dire que parle doucement. Et puis, je commence alors à parler doucement. Mais comment je vais commencer à parler doucement alors que je ne les ai rien fait et que je ne les dérange non plus? J'ai reçu des messages dans la nuit. J'ai reçu des messages. J'ai pris ton nom. J'ai pris ton nom au prénom. Tu ne me connais pas. Excusez-moi. J'avoue que j'ai flippé. J'ai beaucoup flippé. Parce que j'ai bloqué d'abord le profil. Salope. Sapac. Et dit, j'ai négligé. J'ai bloqué. Après, je reçois encore un autre message. Tu m'as bloqué, non? Je vais te dire que non, Facebook, là, c'est pour nous tous. Je vais te bloquer encore maintenant. La personne insiste. Et après, la personne me dit que ton nom, c'est tel, ton nom, c'est tel, ton nom, c'est tel. Laisse-moi te dire que tu vas mourir. Laisse-moi te dire que tes jours sont comptés. On ne va pas te tuer, on ne va pas te prendre des balles pour te tuer.
On ne va pas prendre quelque chose. Comme toi-même, tu voulais mourir depuis. Alors, maintenant, on a la facilité de te tuer à travers ton compte PayPal. D'accord? À travers ton email que tu as créé. C'est un piège. Maintenant, là, on va donner ton nom et que tu dois mourir. Donc, je voudrais dire, parce que je ne vais pas citer le nom de quelqu'un, parce que tu ne peux pas faire palabre au faux profil. Hormis le faux profil qui m'a menacé, le faux profil que vous connaissez tous, qui m'a insulté et qui m'a lavé. Elle m'a lavé à sa façon. Mais c'est parce que, bon, quand tu appelles quelqu'un sur une vidéo et que c'est la voix de l'autre à qui tu as accepté, qui est un peu élevé, et toi, tu es, je sais pas. Donc, on n'arrive pas à te comprendre parce que toi, ma voix était un peu plus un peu éloignée. Voilà, je parle de cette sorte de mafouflore, voilà, qui a créé le faux profil, le PD là, l'homosexuel là. Cette pédale là que vous connaissez très bien. Donc c'était seulement sa chance hier. Donc quand j'ai dit que c'était sa chance hier, donc voilà, je l'ai insulté, hein. Elle m'a insulté, hein. Donc il n'y a pas de souci. Parce que dans votre vie, si quelqu'un te déclare la guerre, il t'a déclaré la guerre. Donc, tu sais déjà que celui-ci, toi, entre toi et moi, que ça soit au temps d'Aïdjo ou bien que ça soit au temps de Thomas Sankara, on ne s'entendra plus jamais. Même si c'est avec quoi, on ne s'entendra plus jamais. Alors, les menaces de mort. Les menaces de mort que vous me faites. Vous savez quoi? Vous êtes très petit. Vous êtes très petit et vous êtes très petite. Les gens qui commandent le maraboutisme ici, là, dans ce monde, ce sont les qui? Vous levez les doigts. Hein? Je suis en train de rire encore. Donc hier, quand j'ai reçu ce message, après je me suis rendu compte que non, c'était des idiotes et des connasses qui étaient derrière tous ces problèmes-là. Et j'ai besoin que non, que les gens arrêtent. Parce que je n'ai appelé personne à venir sur ma page. Je n'ai appelé personne de venir faire ce qu'il a à faire. Si vous n'aimez pas quelque chose, foutez-moi la paix. Ou vous bloquez. De toutes les façons, moi j'ai commencé à bloquer. Je suis même fatigué même de vous bloquer même. Je suis fatigué de vous bloquer, mais vous êtes toujours là tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Qu'est-ce que je peux faire de vous? Que je quitte Facebook si? Parce que je sais et je connais les personnes qui montent les petits coups bas. Même les femmes qui commentent là maintenant, là, les femmes qui sont en train de commenter là. C'est les hommes. C'est pas les gars, c'est les hommes. C'est pas les gars. C'est les hommes. Riez alors, parce que c'est moi qui est folle. Riez. On n'a pas encore commencé la vidéo, hein. Ariane. Ariane, tu m'aimes? Tu m'aimes jusqu'à quel point? Tu m'aimes jusqu'à quel point? Voilà. Il y a un gars, mon voisin, qui vient là. Je ne vais pas lui parler maintenant. Attendez, hein. Attendez un peu, s'il vous plaît. Tu vas venir me voir ici là. How are you? Good, and you? I'm good, thank you. I see you later. You come what time? You come back what time? What time should I come? Come to me 5 a.m. Okay. 5 p.m. please. Okay. It's good? Yeah. Okay.
C'est mon voisin. Parfois, quand j'ai besoin de quelque chose, il vient m'aider. Quand il a besoin peut-être de payer quelque chose, là, vous savez que nous, les femmes, parfois, on est faibles, on est paresseuses. Donc, parfois, je l'appelle là. Lui, il sait que je suis une femme. Je ne vous manque pas que j'ai quand même déjà malaxé son bangala. Excusez-moi, quoi. Mais j'ai déjà fini avec lui depuis. Moi, j'ai fini depuis. Parce que moi, je ne tarde pas sur quelque chose. Voilà. Et Ariane, s'il te plaît, c'est un homme comme toi. Ariane, tu es folle? Est-ce que tu es folle? Vous blaguez avec les gens ici? C'est toujours vous, voilà. Je suis en train de vous exciter, non? Je vous excite. Vous êtes venu au marché. Vous êtes venu payer les condiments. C'est ça, non? Vous êtes venu payer les condiments. Vous marchez, vous venez marcher dans ma chambre comme si c'était votre chambre. Regardez-moi les idiotes comme ça. Vous sortez d'où? Parce que je suis calmé depuis là. Vous savez d'où je sors depuis ce matin? Je ne sors pas de la maison. Voilà mon sac ici. Je ne sors pas de la maison. Voilà mon sac ici là et les lunettes. Hein? Vous savez d'où je sors depuis le matin? Elle est paresseuse. On t'aime. Tu m'aimes qui? Tu aimes qui? Tu m'aimes au cul? Ou bien tu m'aimes au bangala? En voilà le pépaille qu'on a créé. Je suis en train de me balader dans la route. Partout, parce que je suis en train de demander l'aide. Je les ai dit que non, si vous ne pouvez pas m'aider, repayez-moi mon billet, je rentre chez moi. Repayez-moi mon billet, je retourne où j'étais. Je préfère rester là-bas avec mes Marocains, il n'y a pas de problème. Repayez-moi mon billet, je rentre, hein, parce que je veux rentrer. Oui, c'est comme ça. Hein? On a créé le PayPal là-bas. Tu as mis 5 francs même dedans. Tu as mis même 2 francs dedans. Je t'aime. Parce que moi, je te mets la bonne humeur, je te fais danser, je te fais rire. Tu lis les bonnes écritures, ça te remonte le moral. Et moi, entre-temps, je dois devenir folle, je dois devenir fou. Quel ouvrier qui travaille sur cette terre sans avoir un salaire? Même ça, c'est le travail. Si vous êtes là, c'est parce que vous m'aimez, non? Alors, dérangez pas les gens. D'accord? Je ne suis même pas venu pour ça. Vous savez quoi? Je ne sais pas quelle heure il fait là-bas. Il est quelle heure là, s'il vous plaît? Donnez-moi l'heure qu'il fait actuellement, parce que ce que je venais faire, ce n'est pas ce que je suis venu faire ici. Donc, j'ai été embrouillé du coup là. Et là, maintenant, du coup là, le gars là, il est parti ici là comme ça. Maintenant, il est en train de retourner. Moi, j'ai peur de ma maison. J'ai des trucs à l'intérieur là que non, j'aimerais pas les perdre. Et je ne suis même pas sorti avec mes papiers. Donc là maintenant, il est en train de retourner encore parce qu'eux, ils sont trop forts ici là pour voler les gens ici là. Il y a trop les voleurs ici. Donc vous comprenez, non? Ok, il est 14h30. Nora, il est 14h30 en France. 19h19, 20h. Et que? Je parle de l'Europe là-bas, de chez vous, en Europe là-bas. Je ne parle de mon heure, ne vous inquiétez pas chez moi ici. Je parle de chez moi ici. 20h30 à Paris. Ok. On se donne rendez-vous dans 30 minutes. D'accord. On se donne rendez-vous dans 30 minutes ou bien une heure. Je retourne d'abord chez moi. Parce que moi, je n'ai pas confiance au gars-ci. Là, maintenant, il est retourné. Je pensais qu'il est venu prendre le bus. Il veut dire qu'il est venu appeler ici, là. Ou bien il appelle à WhatsApp. Le voilà qui retourne là-bas. Ils retournent là maintenant, là. Eux ici, là, la dernière fois, ils m'ont cassé la fenêtre. Aujourd'hui, là, pardon, les petits habits que j'ai là-bas, il ne faut pas qu'on me ramasse ça. Donc, je vais d'abord retourner. Vous avez compris, non? Voilà, je voulais aussi vous dire que, pardon, en voilà le compte PayPal qui est là, mon frère. Le compte PayPal est là, mettez quelque chose dedans, non, mon frère. Hein, vous voulez que je vous supplie comment, non, mes soeurs, mes chéris, mes maris, hein, tout le monde entier qui me suit là, c'est comment, non, mon frère? Hein, vous aimez quand on vous vole? Ou bien vous aimez quand on vous manque. Maintenant, quand on vous demande même hoha, vous voulez rien faire, mon frère. Hein? Voilà le PayPal qui est là-bas. Mettez quelque chose dedans. Je suis dans la pression. Là, voilà. Je peux devenir folle. Où vous me voyez là? Je peux devenir folle. Hein? L'argent entre, mais ça n'entre pas comme je veux, mon frère. Hein? Il y a même des gens qui mettent même les. Il y a même... Mais la personne là met.
Ouf, là, je veux si ça m'énerve ça. Parce que ça s'envole de partout sur mon visage. Vous me voyez, excusez-moi, j'avais d'abord arrêté un peu. Attendez, j'allume pour moi. Les PD du net, les PD des homosexuels. Je vous disais que non, voilà mon compte PayPal qui est là-bas, mon frère. Ne me laissez pas tomber. Ne me laissez pas tomber, c'est quoi? Mettez quelque chose, créez les emails, envoyez-vous. Les gens envoient même les demi-dollars. Et ils me disent, c'est pour que tu bois l'eau glacée. Hein? C'est pour se moquer de moi? Hein? C'est pour se moquer de moi? C'est moi la moins chère, non? C'est moi la moins chère? Hein? C'est moi la moins chère? Merde, je suis choqué, hein. Parlez, non? Parlez! La fille a payé la voiture. Maintenant, elle crâne avec la voiture, là. Ma chérie, la voiture, c'est pas le concours, hein, ma chérie. C'est pas le concours, c'est une lesbienne. Elle est mexicaine. Elle est mexicaine, elle se vante jusqu'à. Les lesbiennes aiment trop se vanter. Mais moi, je n'aime pas leur truc, là. Si elles m'amènent leur système, là, moi, je les mets sur le droit chemin. Hein? Ça veut dire quoi? C'est quelle histoire? Ça veut dire quoi, non, mon frère? Hein? Regardez comment je me balade, je pavane ici, là, dehors. Hein? Envoyez. Je reçois, les gens envoient. Et merci. Et ils m'ont demandé de garder l'anonymat. Donc, je ne vais pas citer le nom de quelqu'un, pardon. Pardon, je ne vais pas citer le nom de quelqu'un. Là-bas, c'est même l'anonymat. Pardon, créez les comptes. Hein? C'est vous, les grandes dames. C'est vous qui avez les quatre visas. Moi, j'ai quoi? Hein? Si tu envoies ce que tu envoies, voilà. Ça entre, non? Si c'est 10, c'est 10. Si c'est 20, c'est 20. Si c'est 30, c'est 30. Mais maman, quelqu'un envoie 1 dollar maintenant. Je dois virer ça maintenant en banque pour récupérer. La banque aussi coupe pour lui. C'est pour que je fasse quoi avec ça? Et la personne me dit que non, il faut que c'est pour que tu bois l'eau glacée. This is Wandayance. Hein? I don't know me. Hein? Là, je parle en camerounais. Ne parle pas encore en anglais. Vraiment, ça me choque. Ça me choque vraiment. Ça me choque. Et donc, ça veut dire qu'il reste demi-dollar. Donc, ça veut dire que ce sont des centimes. Les centimes, je fais comment ça sort, comment dans le guichet? Dites-moi comment ça sort dans le guichet, les demi-centimes, là, les demi, là, parce que c'est 1 dollar, on a coupé ça. Hmm? Nous, 1 dollar, ici, là, c'est 5 pièces. 5 pièces. Dans les 5 pièces, là, le demi, là, que non, la banque a coupé, le PayPal a coupé sa transaction, les centimes, là. Maintenant, le reste des centimes, là, je n'ai pas récupéré quoi? Hein? Et je sais que les PD sont derrière. Les PD sont derrière. Parce que ce sont eux d'abord mes premiers ennemis. Parce que les homosexuels ne sont pas solidaires dans le monde entier. Les homosexuels ne sont pas solidaires entre eux. Il y a peu qui sont sincères. Il y a peu qui ont un cœur. Pas comme cette salope-là qui est venue dire hey, « Tu parles à qui? Tu parles à qui? Tu parles à qui ?» J'ai eu peur. C'est un truc là, syllabe. Vous savez que non, moi j'ai souvent peur. Je me dis peut-être que parfois je peux voir le serpent là. Moi j'ai peur, oh, maman. Je ne voyais pas les commentaires. Maintenant ils sont en train de lire. Parce que nous, est-ce que ça nous laisse le guémé? Parce que nous, ça nous laisse le guémé. Hein? Ma chérie, tu avais d'abord donné quoi? Dis-moi ce que tu avais d'abord donné. Tu avais déjà participé ici. C'est maintenant même que non, moi je te vois ici là chez la Mexicaine. On se connaissait d'abord avant. Hmm? Tu as d'abord participé quoi? Avant d'abord, quand tu avais, même quand tu voyais mes vidéos, tu m'envoyais quelque chose. Parlons aujourd'hui terre à terre. Posez-moi aussi vos questions, je vous réponds aujourd'hui là. Ho ha! Dites-moi. Ho ha! On répond. Mais attention, je suis un être humain dans vos mots, dans vos paroles que vous citez là. Hein? Je suis un être humain. Hein? On sait que les moments sont durs. Mais comment quelqu'un peut t'envoyer un dollar? Comment quelqu'un peut t'envoyer 1 dollar? Non, dites-moi. C'est comment, non, mon frère? Comment vous voulez m'embrouiller l'esprit, mon frère? Vous m'embrouillez l'esprit?
Vous voulez m'embrouiller l'esprit? Moi, je vous dis une réalité, vous vous êtes en train de blaguer. Hein? C'est vous qui aimez voir mes pages, hein? C'est vous qui aimez voir mes pages. C'est vous qui aimez dire que non, la Mexique, la Mexique. Moi, je peux vous priver de moi. Je peux vous priver de moi, moi je vous dis, parce que vous m'aimez, je vous aime aussi. Mais je vous prive de moi, vous n'allez plus me voir. Vous n'allez plus me voir, vous allez dire que non, celle-là, elle aime Facebook. Celle-là adore Facebook. Est-ce qu'elle peut quitter Facebook? Vous mentez. Vous mentez. La ligne Doumbé est où? Elle est où? Où se trouvait la ligne Doumbé? Bipé là, elle vient ici. C'est elle qui m'a dit de créer le profil PayPal là. C'est pour que les gens se moquent encore bien de moi. Vous m'avez déjà pris pour quoi ici là? Pour votre moins cher? Hein? Vous m'avez déjà pris pour votre moins cher ici? Dans Facebook? Je suis votre caleçon, je suis votre slip. Ok. Il n'y a pas de problème. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Je vous dis vraiment. Olivier Ekwe, comment tu vas? Je vous dis merci. Dieu vous le rendra un jour. Et riez, non? Vous êtes en train de rire, non? Je suis votre moins cher, non? Mais vous pouvez rire. Riez. C'est le moment de rire. Qui rira, rira le dernier. Aujourd'hui, c'est moi qui pleure, non? Ok. Nos problèmes, sister. Nos problèmes, les gens qui sont là. Nos problèmes, les PD aussi. Hmm? Parce qu'ils sont là. Les mafos aux jagloires, avec leur bande de démons. Tous, ils sont là. Tu as vu? La sorcière, là, qui vient me parler. Tu as vu? Là, voilà, qui est en train de demander l'argent. Je demande. Si c'est pour ça que non, que vous allez gâter le nom de quelqu'un, vous n'avez pas encore gâté mon nom depuis. Est-ce que vous n'avez pas encore gâté mon nom depuis? Ah, c'est parce qu'on n'a pas d'argent. Mais c'est parce qu'on n'a pas d'argent. Ma chérie, ne fais pas que je tombe sur toi. Je ne vais pas te manquer de respect. Reste, calme-toi lorsque tu es sur ta chaise là-bas, ma chérie. Tu as compris, non? Quand tu es en train de parler là que non, on n'a pas d'argent. Tu es dans la poche des autres personnes. Ah, Olivier, ça va, merci beaucoup, c'est très gentil, merci de l'attention. Hein? Vous m'avez donné l'argent? Ou bien tu es dans la poche des autres personnes? Tu connais leur poche? Pour dire qu'on n'a pas l'argent? Wise Marcaïs JPK, tu es PD? Oui, je suis PD. Et toi, tu es quoi? Tu ne baises pas l'anus, toi? Si on te donne l'argent, tu ne vas pas baiser l'anus? Hein? Vous venez vous cacher ici? Vous voulez qu'on dévoile tout? Vous venez vous cacher ici? Hein? Les Badaou d'Abamba, les Maliens, les Sénégalais, les Guinéens et tous là. Vous baisez les fesses, non? Vous baisez l'anus depuis, non? Est-ce que c'est aujourd'hui que vous avez commencé? Bonjour Béa. C'est aujourd'hui que vous avez commencé votre métier. Vous nous baisez depuis. Et on vous a toujours fait jouir. Mais aujourd'hui, vous venez jouer les innocents ici parce que vous êtes maintenant sur le net, vous vous cachez derrière les profils. Après, derrière, tu as me dit que non, envoie-moi la photo de ton cul. Envoie-moi la photo de ta chatte. Envoie-moi la photo de ta gaufrette. N'est-ce pas? Salut Fatou. Il y a le compte PayPal qui est créé là-bas pour tous mes fans. Le compte PayPal est payé. S'il vous plaît, allez créer les comptes avec les mails. Tu crées et puis tu envoies. Avec ta carte bancaire. Si tu as quelque chose, tu envoies. Tu envoies. Je ne suis pas votre Mexicaine pour rien. Hein? Les Rihanna, bah, autres, là, tout ça, là. C'est là-bas, nous tous, là, qui l'avons développé. Ce sont ces fans qui ont fait en sorte qu'elle soit ce qu'elle a maintenant, là. Vous faites quoi de moi? C'est de vous moquer de moi. Et après, de vous danser le cul, de vous danser les fesses. Hein? Et après, vous êtes heureux, vous êtes contente. C'est ça? Mais je mange quoi? Je suis artiste, je mange quoi de vous?
Vous n'allez pas dire que non, que je ne vous remonte pas le moral ici. Non, entre nous, vous n'allez pas dire que je ne vous remonte pas le moral. Vous n'allez pas dire que non, quand même, quand vous regardez quand même mes images, quand même ça vous change peut-être quelque chose dans votre vie. Pas dans votre vie typiquement, mais de cette journée-là ou de ces quelques instants. Bon, je suis votre star alors dans quoi? Dans les tomates et puis le homie. Le homie, c'est ce qu'on prépare le mbongo avec chez les Bassa, chez moi. Je suis quoi pour vous? Le mbongo ou bien le homie? Ou bien je suis le pépé? Ou bien je suis le njansang? Ou bien, comme toujours, vous m'avez toujours renommé la moins chère. Je suis le marché Motoki du Gabon. Je suis une Kololoum de Douala. Je suis Mokolo de Yaoundé. Vous me prenez alors pour qui? Imbécile, ta maman. Français Emmanuel, ta maman. Chienne. Regardez-moi cette chienne-là, ce pédé-là, qui se cache derrière le profil. Va travailler chez ta mère. Va travailler dans ton bangala, va travailler dans la... Imbécile. Ignominie. Dans rien, dans le ridicule. Dans rien, dans le cul de ta grand-mère. Imbécile. C'est vous là, non? C'est vous là, non? C'est vous là, non? Tu as créé un autre profil. Tu n'étais pas ici là hier. Tu n'étais pas ici l'avant-hier. Donc, c'est sûr que tu me connais. Tu t'es caché. Parce que ce n'est pas ton nom. Français Emmanuel, c'est le nom de quelqu'un. Tu t'es caché, non? Montrez vos visages. Montrez vos visages parce que je suis votre médicament. Montrez vos visages. Dévoilez-vous. Dites que c'est moi. Tapez la main sur la poitrine comme moi aussi je tape la main sur la poitrine. Je suis Annabelle la Mexicaine. Je tape la main sur la poitrine. C'est moi. C'est moi, Annabella la Mexicaine. Tapez la main sur la poitrine. Pourquoi vous ne le faites pas? Hein, France Emmanuel? Tu viens m'ouvrir le cul ici? Tu viens m'ouvrir le cul? Tu ouvres le cul à moi? Hein? Regardez-moi cette idiote là. Mais putain, il y a plein d'idiotes ici dans Facebook, hein? J'hallucine quoi? Dis donc, Ariane, continue ta route là-bas, mon frère. C'est quoi? C'est quoi? Je pense que vous êtes content quand je cite vos prénoms, hein? Vous voulez la fabrication? C'est la fabrication que vous voulez? Vous aimez quand je gronde, hein? Vous voulez être fabriqué? Qui veut être fabriqué? Levez le doigt. Levez les bangalas, ouvrez les chattes. Qui veut être fabriqué? Mais pourquoi tu ne travailles pas? Tu m'as donné un travail. Fermez-moi ton cul, madame. Tu m'as donné un travail. Pourquoi tu ne travailles pas? Tu m'as donné un travail. Ou bien ton père a une société. Ton père a une société, puis tu m'as appelé d'aller travailler, puis je ne suis pas allé travailler. Maxime, Timon, sale noir. Et toi, sale porc. Sale porc. Porcelaine. Imbécile. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Oh là là. Doléane, pourquoi tu n'arrives pas? Je n'arrive pas à t'appeler. Ça me dit, aimez le commentaire bloqué, Doléane, supprimé, épinglé. Tu n'arrives pas. Comment ça? Et pourtant, on est dans le Facebook du type là que je t'ai dit là. Regarde ton téléphone là-bas, mon frère. Ou bien tu t'es connecté où? Regarde ou bien change de téléphone. Merde! Personne. Moussa Hadji. Merde, il y a même les musulmans ici là. Les musulmans. Les musulmans qui causent le terrorisme partout. Les musulmans qu'on doit tuer même. Parce que c'est à cause d'eux même que non, il y a même trop de guerre ici là. C'est que les blancs sont tranquilles dans leur pays. Les Américains, les Français, tout le monde. C'est que les gens sont tranquilles. À cause des musulmans, le monde ne peut pas respirer. On monte, on descend.
musulman. Tu descends, musulman, c'est vous. C'est vous. Moi, je suis haram, non? Vous ne venez pas me tuer. Je suis haram, non? Vous ne venez pas me tuer. Dolian, mais te voilà que j'appelle, non? C'est toi que j'ai dit là, que j'ai dit aimer le commentaire, bloquer, supprimer, épingler. C'est les quatre trucs là que, non, que je vois sur toi là. Je ne sais pas comment ça fait ça, maman. Je t'assure. Je ne sais pas comment ça fait ça. Et pourtant, la dernière fois, tu n'es pas sûr que c'est un problème qui vient de chez toi là-bas. La dernière fois, je pouvais te voir. Je t'ai envoyé même que je peux t'appeler, non? Attends un peu, je regarde ici. Attends, je te cherche dans les trucs là. Moi, je n'aime pas ça, hein, Dominique. Je n'aime pas ça. Tu es en train de faire maintenant comme si peut-être que je le fais exprès. Ou bien je ne vais pas te prendre. Je t'ai invité, ça te va? Yes. Donc tu devais recevoir l'invitation maintenant. Il fallait d'abord me laisser m'occuper de cette sotte-là, de cette villageoise de Ngormapouvi, de cette saleté. Gardez-moi des villageoises comme ça. Vous venez parler. Des gens ont commencé à envoyer. Je n'ai pas encore reçu toute la totalité. Mais comme vous êtes des démons, vous êtes des satans, Dieu va toujours toucher les cœurs des gens. Je vais toujours avoir ce que je vais avoir. Vous comprenez, non? Imbécile. Voilà. Excusez-moi, j'avais eu une petite coupure. Dolian, tu es là? Je t'ai envoyé l'invitation depuis. Tu as reçu. Tu as reçu. Donc je vous disais, Dieu va m'aider, je vais toujours avoir ce que je vais avoir. Parlez-moi, parlez tout ce que vous voulez parler. Faites le Congo ça, sabotez. Allez parler dans les bac-bac, parlez lorsque vous avez l'habitude de parler. Chantez comme des oiseaux chantent. Faites tout ce que vous voulez faire. D'accord? C'est votre problème, c'est votre manioc. Je ne vous gère pas. Hein? Mais ceux qui connaissent ma valeur là, hein? Et ceux qui me connaissent vraiment, et ceux qui sont en train de chercher en quoi me connaître, ils feront forcément un geste. D'accord? Et mon problème va être résolu. Regardez-moi les bandes de bâtardes et bâtardes comme ça. Vous allez venir vous permettre parce que quoi? Le poisson a maigré. Le poisson a maigré, vous êtes sûr de ça? Que le poisson a maigré? Hein? Bengana me batolo. Toban pemehen, impemehen. Ni yime. Imbécile. Ah, les musulmans sont là. Bienvenue les musulmans. Les plus grands PD de la terre, les plus grands PD du monde, ceux-là qui jugent des gens, ceux-là qui mettent la religion, tout en prenant le prétexte Allah a dit, Allah a parlé, oh, ou bien peut-être on dit encore, qu'est-ce que la sourate dit? La sourate 29 ou bien la sourate 30 dit que non, on doit couper la tête des homosexuels, il y a tellement de... Oh mon Dieu que c'est pathétique, les musulmans ici, venez-y mes chéris. Vous aurez votre dose. Vous aurez des médicaments très bien prescrits pour vous. Voilà. J'ai dit, hein? Dolian, tu es où? Tu ne me parles plus. Donc tu pensais que non, je ne vais pas te prendre, hein? Et vraiment, si tu as pensé comme ça, là, c'est que toi-même aussi, tu ne me connais pas vraiment. C'est que tu ne me connais pas. Avant de sortir, je t'ai pas prévenu de ça. Donc maintenant, tu es en train de prendre comme si c'est moi qui ne vais pas te prendre. Tu es sûr de ce que tu es en train de penser là? Vraiment. Redémarre ton téléphone, tu essaies encore de refaire, tu m'envoies l'invitation. Si ça passe, c'est comme ça qu'on fait.
Chez moi ici là, je ne vois pas que c'est affiché. C'est pas affiché quelque part ici là que j'invite. Bon, maintenant je suis allé maintenant chez des amis là où ce que tu connais là. Et puis j'ai tapé dessus que non, invité. C'est là que je t'ai demandé que tu as fait. Vous n'êtes plus là? Où sont les musulmans? Comme ça là, on pourra se citer des chapitres et des versets. Parce que je vous dis que non, j'ai fui musulman un jour au Gabon. C'était dans les années, je sais pas, je me rappelle plus très bien de l'année. Et on m'avait donné le nom de Abdou. Donc les sourates sur l'homosexualité, sur la conduite des humains, je les possède. C'est là, dans ma tête. Même la Fatiha, je le recite, je le chante. Parce que c'était mes prières quand je me réveillais chaque 4 du matin ou 5 du matin, je faisais mes prières. Alors où sont les musulmans? Vous qui posez des bombes partout, l'Amérique ne pourra plus jamais vous faire confiance, que ce soit d'aujourd'hui ou que ce soit de demain. Parce que vous avez tué des familles à cause de vous, à cause de votre religion et non de ce que les Saintes Écritures disent. Vous avez gâté le monde. Vous avez tué des gens. Vous avez tué des enfants. Vous avez tué des générations. Vous avez commis des guerres. Vous avez fait en sorte qu'il puisse y avoir des guerres. Et aujourd'hui, vous allez venir vous placer pour dire que, oh, dis donc, c'est haram. Oh, c'est haram. La sourate 49 dit, ça dit ceci, 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 cela. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous aimez toujours mettre toujours Dieu en épreuve. Vous aimez toujours parler de Dieu. Vous aimez toujours parler de Dieu. N'est-ce pas? Parce que Dieu est au bout de votre langue. N'est-ce pas? Vous l'avez pris comme des arachides ou bien comme ton... dans la façon dont on clique les doigts. C'est comme ça que vous avez pris Dieu? C'est valable aussi pour les chrétiens. Parce que ce n'est que de vous. Ce n'est que de vous. Dieu a dit tel commandement dit. Et pourtant, il y a 10 commandements. Qui les applique? Que ce soit les commandements chrétiennes ou les commandements, je ne sais pas, des sourates, de ce qu'on peut dire. J'aimerais pas mépriser le Saint-Coran. Parce que je le connais, je l'ai touché et je l'ai lu en plus. Et aujourd'hui, vous allez vous permettre de venir me parler que je suis haram. C'est vous qui êtes haram. C'est pas moi qui est haram. C'est vous qui êtes haram. Parce que vous, vous faites tellement des pires choses. J'ai baisé avec des musulmans. Des hommes mariés. Qui ont des enfants, femmes musulmans, monsieur musulmans, on connaît qui sont musulmans, même le quartier sait qu'il est musulman, tout le monde sait qu'il est musulman. Et un jour, je l'ai fait le scandale et il m'avait payé très cher à Libreville. Demandez pour les gens qui me connaissent. Je suis sorti même dans la télévision gabonaise qu'on appelait TV+, qui est encore d'actualité au Gabon, pour dénoncer tous les ministres. Pour dénoncer tous les ministres gabonais qui étaient dans l'homosexualité. J'étais le seul qui s'est levé au Gabon. J'ai dit bien, j'étais le seul. Donc après que Lanler est sorti du pays, après que je ne sais pas, Edmond aussi est sorti du pays, j'étais le premier homosexuel à s'afficher publiquement devant une télévision nationale, gabonaise et internationale, que tout le monde me voyait après le journal de 20h30. Ah, I'm sorry. Okay. Après le journal de 20h30, j'étais assis. On m'a appelé, on m'a invité. Ce jour-là, les gens le savent parce qu'il y a certaines personnes qui l'ont parlé ici là sur des commentaires. Je me suis assis et quand je me suis assis ce jour-là, on m'a d'abord maquillé et tout et tout. Ça, c'était la toute première fois que je passe devant la télévision. Et vous savez,
Vous savez quel âge j'avais? J'avais, je pense, entre 22 et 23 ans, hein, je crois bien. 22 et 23 ans. Ouais. C'est lorsque mon courage et ma force commençaient à se développer. Ouais, je pense que tout cela s'est déroulé juste après la mort de mon père, parce qu'après la mort de mon papa, après je suis resté à la maison familiale avec mon oncle et ma tante, et après je me suis rendu compte que ils étaient en train de me prendre la tête, ils étaient en train de me dicter des lois que moi je ne voulais pas, quoi. Et je voulais mon indépendance. Et un jour, je suis parti de là parce que j'ai vu que non, personne ne voulait même d'ailleurs de moi dans cette maison, parce que les gens disaient que non, il est revenu du Cameroun, on va encore avoir quelle éducation pour lui donner, il est déjà un grand garçon et tout, ta 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 ta. J'ai dit bon, ok, comme vous ne voulez pas de moi, moi je vais vous laisser. Et c'est comme ça que j'étais parti. Et quand je suis parti à la télévision, j'ai cité des ministres. Pour des Gabonais et Gabonaises, allez-y chercher dans des archives de 2000 ou 2001. 2000-2001. Ouais, même 2002, je crois bien. Cherchez dans les archives. Et ils sont encore à TV+, parce qu'on me connaît très bien. La nation gabonaise me connaît très bien. Énormément. Et des gens me connaissent aussi très bien. Alors, je m'étais déclaré, j'ai dit oui, moi je suis homosexuel, je n'ai rien à cacher. J'avais un courage fou, je voyais ma vie en train de se développer en pensée. Je voyais des choses qui étaient en train de se développer en moi. J'ai vu que non, j'étais quelqu'un de bien et que je pouvais faire mieux. Et je les ai dit, hormis de ces questions, j'ai besoin de dénoncer des gens ici, en live. Et je l'ai dénoncé. C'est pas une histoire, c'est pas quelque chose que je suis en train de vous mentir ou bien que je suis en train de vous raconter des histoires. Demandez, on va vous dire que vous connaissez Hervé Obiang. Il était passé à TV+, au Gabon, dans les 2000-2001. Oui, je n'oublie pas les dates. Et j'ai déjà eu une relation avec un ministre. Parce que un monsieur, il me gardait bien. J'avais une belle maison, voilà, un studio, voilà. Bon, c'était comme ça, voilà. Bon, vous savez, j'étais un peu plus bordel, j'étais un peu plus pute, voilà. Donc, j'étais un peu intéressé un peu par des boîtes de nuit, des sorties, des rendez-vous entre amis. Donc, vraiment, il n'y avait pas vraiment un peu trop d'indépendance, de maturité, autant pour moi, si je peux dire comme ça. Et alors, j'ai dit, parce que après, c'est lui qui n'a pas respecté. Il ne me donnait plus de l'argent. Il ne payait plus la maison. Et entre-temps, moi, je le couvrais. Alors, j'étais obligé de le dénoncer. Et je l'ai dénoncé. Je l'ai dénoncé. Pour les gens qui connaissent Mboumbou Miyaku. J'espère que donc, ce nom-là vous dit quelque chose. Allez-y vous renseigner dans les chaînes gabonaises. Je ne parle pas de la RTG 1 ou de la RTG 2. Je parle bien de TV+, je ne sais pas si son siège est encore à côté de la présidence. Je ne sais plus. Ou je ne sais pas, il y avait toujours même, il y a même Air France à côté de l'immeuble, je ne sais plus. Mais TV+, est à côté de la présidence, c'est là-bas que j'ai laissé son siège, je ne sais pas, ça fait plus de combien d'années aujourd'hui, je ne sais pas combien d'années ça fait. Alors, quelqu'un qui est homosexuel, qui entretient des relations avec moi. N'est-ce pas? Il s'occupe de moi. Il m'abuse. Pas qu'il m'a abusé non consentant. Non, j'étais consentante. D'accord? Et je l'ai affiché. Devant tout le monde entier. J'avais déjà commencé à être payé. Mais comme vous pouvez savoir, les riches marchent qu'avec des riches. Et que ce que les riches ont, les pauvres n'ont pas le droit de les avoir. Donc, le riche peut aller vite porter plainte. Donner un peu les pots de vin là-bas, puisque les gens aiment des pots de vin, vous voyez. Donc, et après l'histoire est plongée, quoi. Bon, petit, viens là. On te donne un petit 1 million là, un petit 2 millions là, et puis ça va, hein, et tout. J'étais encore naïf. Beaucoup, beaucoup, beaucoup naïf. L'importance de l'argent, je ne le savais pas, je ne le connaissais même pas. Donc, je n'étais qu'en train de me développer de mon adolescence, adulte, tout ça, voilà. Mais je ne connaissais pas ça. Alors, c'est pour vous dire, je suis Annabelle,
alias Hervé Obiang. C'est moi. Je le dirai devant quiconque. Parce que des musulmans, il faut s'en occuper-en. Et il faut aussi que non, les gens qui se cachent derrière des chapeaux, les gens qui se cachent derrière des trucs, des hommes mariés qui ont des femmes et des enfants, qui déshonorent leurs femmes, qui ne les respectent pas, qui commettent l'adultère hors du foyer conjugal, il faut les dénoncer. Parce que c'est eux-mêmes là les PD qu'il faut combattre. Vous ne trouvez pas? Parce qu'ils sont les premiers à abuser de nous. Et ils sont encore les premiers à nous renier. Si toi, tu viens avec un cœur, tu viens chercher de l'amour, je t'accueillerai à bras ouverts. Et je te donnerai le fruit que tu en as vraiment besoin dans ta vie. Mais si tu viens pour de l'aventure, tu seras aussi servi de la même mesure que tu te serais servi. Ne l'oblige jamais. Parce que dans ce monde, l'honnêteté est une vertu qu'il faut absolument pratiquer ou vivre ou faire quoi avec, autant pour moi. Parce que vous me saoulez. Vous me saoulez, vous tous, vous toutes et toutes, vous me saoulez. Vous savez pourquoi vous me saoulez? Parce que je vais vous dévoiler. Elle a les démons, celle-là. Elle est possédée. Je suis possédé? De quoi suis-je possédé? Parce que je dis des vérités. De quoi suis-je possédé? Et après, vous allez dire que... Après, vous allez dire que je fais des mensonges. Maman, vous m'avez appelé la police. Je crois qu'on m'a appelé la police ici. Vous avez appelé qui? Le FBI. Je suis chez le FBI. Je suis dans mon pays. Je respecte même mon pays et je respecte les lois locales. Mais je suis protégé. C'est pourquoi je peux me permettre. En Afrique, j'avais pas ces droits-là. Je pouvais bien collaborer avec des avocates. Je m'entendais très bien avec Maître Anliscom, avocate camerounaise qui me connaît très bien. Voilà, parce qu'on a travaillé ensemble. C'est une femme qui m'a aidé de la prison parce que j'avais été condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme. 5 ans d'emprisonnement ferme et je l'ai fait jour pour jour. Il restait peut-être quelques mois avant que non, Maître Anliscom vienne demander appel. Et même l'appel, on a refusé cet appel-là. Ouais. On a refusé cet appel-là parce qu'il y avait aussi les grâces présidentielles camerounaises qui devaient se produire dans les mêmes instants. Et c'est comme ça que je suis sorti de là. Mais je connais très bien des organisations. Je suis en relation avec des gens. J'ai un téléphone. Je discute avec des gens. Vous ne savez pas avec qui je discute, vous ne savez pas avec qui je parle. Je ne peux pas me mettre à parler avec Donald Trump. Après, je vais venir ici pour dire que je discute avec Donald Trump, non? Il y a aussi la confidentialité entre amis. Il y a aussi la confidentialité aussi entre personnes. Et personnes bien consentantes ou consentantes. Alors, je vous ai dit depuis hier que je me battrais. On a commencé comme un jeu. Mais aujourd'hui, c'est en train de se développer. Petit à petit, l'oiseau construit son nid. Merci beaucoup. Vous savez quoi? Pourquoi je vous dis merci? Parce qu'aujourd'hui, là, le monde peut être en train de se moquer de moi. Alors que je peux être le sauveur de demain, hein? Je vous assure. Je peux être le sauveur de demain de beaucoup de personnes, dans beaucoup de choses. Parce que dans les petites choses qu'on néglige, c'est toujours les grandes choses qu'on voit plus tard. Ne l'oubliez jamais. Ne négligez pas non plus une petite souris ou un moustique qui est en train de traverser quelque part et puis tu te permets de le négliger. Ne le néglige pas. Ne négligez personne. Parce que vous ne savez qui sont vraiment ces personnes-là. Ne les jugez non plus. Parce que vous ne connaissez pas vraiment leur histoire. Vous connaissez seulement un petit tiers, autant pour moi, de leur histoire. Mais vous ne connaissez vraiment rien.
parce qu'il y a des fonds qui sont cachés, qui ne sont pas parfois beaux à être dévoilés. Alors, très chers musulmans, très cher monde, arrêtez de prendre des gens comme ça. Arrêtez, attendez, je dépose mon sac. Arrêtez de nous prendre comme du barbecue. Arrêtez de nous prendre comme des nourritures que vous mangez. Arrêtez de nous prendre comme de la serpillière que vous essuyez sur le sol. Arrêtez de nous prendre comme le kitchen que vous êtes en train de nettoyer chez vous. D'accord? Ne nous prenez pas comme ça. Parce que moi, je vais me battre. Et quiconque ne veut pas marcher avec mon idée n'a qu'à rester chez lui. Tu n'es pas obligé de venir ici liker ma page. Non, pas du tout. Parce que je suis ici pour des droits pour tous. Je suis ici pour lutter, pour que tout le monde puisse avoir l'égalité. La même égalité, parce que nous sommes peut-être différents, mais nous sommes égaux. Je vous l'ai répété hier, que nous sommes égaux. Arrêtez aussi et n'acceptez pas les gens de la Mexicaine. N'acceptez pas que certains profils vont se permettre, si quelqu'un se permet de quelque chose, je ne sais pas, montrer que vous êtes avec moi, parce qu'on travaille ensemble. Nous sommes d'accord. Voilà. Et... Ah, il y a un beau blanc qui vient là-bas derrière. Excusez-moi, on va d'abord faire une pause. Il est très beau. Je vais lui dire que non. J'aime ton look. Je vais lui dire ça tout de suite là. Il est en train de venir. Donc vous allez le voir. Il est beau, hein. Hi. How are you? I'm good. Mais il est beau jusqu'à. Très beau. Voilà. C'est comme ça. Des bordels, c'est avec les manières. Et s'il est dans la sauce. Et c'est parti. Tout simplement. C'est parfois. On peut les provoquer, parce que nous les femmes, on aime provoquer les hommes, mais les hommes aussi nous provoquent aussi beaucoup. Tu peux pas voir quelque chose qui est en train de passer et que tu as envie de le manger, et puis tu ne tentes pas de le manger ou bien de l'acheter. Ou bien tu ne peux pas entrer dans un magasin et puis tu vois une robe ou bien une chemise qui te plaît bien et puis tu as du fric dans la poche et que tu ne te permets pas, que tu ne fasses pas plaisir. Tu vas te faire plaisir. C'est pareil aussi comme des hommes. L'amour, c'est par là qu'elle naît, cet amour-là. Alors, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Si vous voulez me contacter, contactez-moi chez la Mexicaine, officielle, sur cette même page, à message, je vous recevrai. Mais en même temps, actuellement, j'ai un peu des problèmes, je traverse des difficultés parce que je n'ai pas encore de boulot. Contrairement à ce que les gens racontent, tous les jours je parle ici, je discute ici, c'est comme si les gens n'avaient pas des oreilles. Et pourtant, ils connaissent bien la situation. Et la situation est bien expliquée. Mais on dirait qu'on revient toujours sur des mêmes choses et tout. Alors moi, je n'aimerais pas qu'on revienne sur des mêmes choses. Celui qui a un cœur et qui peut aider, qu'il aide. Parce que j'ai créé un compte de PayPal qui est là, que j'ai affiché sur ma page. Les gens vont se moquer de moi avec des 1 euro. Avec des 1 euro, franchement. Attends, sincèrement, quelqu'un demande de l'aide et puis tu es en train de l'envoyer 1 euro, franchement. On ne simplifie pas ces 1 euro là. Bon, disons que ce sont ces... Bref, que celui-là qui peut, ou que celle-là qui peut, faire quelque chose, faire un geste, pour moi. Les gens n'ont même pas besoin même de connaître même mes problèmes, si les gens sont vraiment humains. Ils n'ont même pas besoin même de connaître même mes problèmes, de savoir où c'est quoi. Non, il a un problème, on peut lui donner un coup de main, même si c'est 10 francs, hein. Envoyons-le là-bas. On ne connaît pas aussi ceux qui traversent là-bas. Vous n'êtes pas avec moi. Vous n'êtes pas avec moi. Je tiens toujours à vous rappeler ça nuit et jour, que personne n'est avec moi ici. Les réalités sont très différentes. C'est pas qu'il y a du travail et qu'on refuse pas de travailler. Hein? Donc, il y a le compte PayPal qui est là-bas. C'est là. Comme on m'a dit, comme on m'a toujours traité. Mais dommage pour ceux-là qui ne me connaissent pas. Parce que quand je suis en train de pleurer de l'argent et que les gens viennent ici, ils vont se permettre de me dire que je quémande, que je demande de l'argent et que je suis paresseux. Vraiment, je reste seulement comme ça, la jurée, et puis je regarde le nuage. Comme on le fait très souvent parce que nous sommes humains et que c'est l'instinct humain. Je ris, tout simplement. Mais ceux qui me connaissent,
parfois, il me dit seulement que non, laisse tomber, c'est pas grave, la vie continue. Mais si vous pouvez, essayez de faire quelque chose, l'union fait la force, je le recevrai. Il vous suffit seulement de suivre le lien et ça va vous conduire à ce que vous pouvez faire quelque chose. Alors, c'était ça et merci beaucoup. Et pour le reste, j'aimerais que vous vous abonniez à ma page Facebook, à ma page YouTube. Voilà. Vous pouvez me trouver sur YouTube avec Hervé Obiang. Parfois, j'avais changé le nom, j'ai mis Annabella la Mexicaine, mais apparemment, quand les gens cherchent Annabella la Mexicaine, ça ne sort pas. Donc, si vous tapez Hervé Obiang, attention, le E qui à la fin n'a pas d'accent. C'est un E muet. Et Obiang, O-B-I-A-N-G. En fait, je vous parle même en anglais. O-B-I-A-N-G. Hervé. Mais vous mettez Hervé d'abord et après vous mettez Obiang. Et vous allez me voir et je vous demande d'aller me suivre là-bas, d'aller liker. Parce que on va commencer maintenant les vidéos de ce côté-là. Parce que Facebook, je pense que les gens ici, je ne sais pas si là-bas aussi ça va être pareil ou il va avoir des faux profils et des fourmis qui vont toujours être là. Donc je vais un peu aussi fuir un peu Facebook. Mais je serai là, mais je vais aussi le fuir aussi un peu. Donc on va commencer sur YouTube, voilà. Voilà, hein, sur YouTube, comme ça là, on va un peu essayer de lever le niveau, quoi. Voilà. Parce qu'au moins, si peut-être tu fais des choses un peu sensées, les gens, ça pousse toujours aux gens peut-être à t'écouter, à t'entendre, des trucs un peu comme ça. Ça les plaît. Mais vous n'allez pas aller faire des choses fanatiques, juste du fanatisme. Juste le plaisir de s'exhiber, de faire ceci. Non, ben, derrière celle-là, derrière ce PD-là qui tourne le cul, c'est un homme. C'est un être humain. Donc, je vous encourage d'aller liker ma page et je vous remercie à toutes et tous. Sans oublier que, s'il vous plaît encore, il y a mon compte PayPal qui est ouvert. Suivez le lien et envoyez-moi ce que vous pouvez envoyer. Je vous en serai vraiment reconnaissant. Que Dieu vous bénisse et passez une très bonne soirée. Au revoir.